Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on s'est levé assez rapidement. Bah moi je me suis levé vers 7h et Marine l'heure qu'il fallait pour le réveil. Dernier jour à Kissimmee pour finir les petits trucs Universal Studios qu'on n'a pas pu faire hier. Je vais beaucoup mieux qu'hier, mais vraiment beaucoup beaucoup mieux. Et voilà, les valises sont terminées, on va les mettre dans la voiture, on va Universal Studios faire les attractions qu'on n'a pas faites et ensuite on part en direction de Miami pour à peu près 4 heures de route. Ça va me casser les dents, mais c'est comme ça. Et puis bah, on va voir ce que ça donne, hein. 4 heures de route, ça va un peu me fatiguer, je vous le cache pas, parce que je m'attendais pas à faire autant de route aux États-Unis. Alors, mon amour, qu'est-ce que ça fait de quitter l'Orlando. On va pouvoir poster les vidéos sur l'internet. Sur l'internet? Bah, ça fait chier, mais faut se dire qu'on part à Miami donc. Ouais. C'était bien, c'était un bel appart. Il manquait quelques petits trucs pour la cuisine, genre des passoires. Mais ouais. Bon. Non, mais c'était bien, il y avait la piscine. Enfin, on n'a pas été dérangé, juste un petit peu les voisins du dessus. Mais ça, c'est notre quotidien. Ah ouais, ils m'ont saoulé cette nuit là. Oh là là, j'ai dû bloquer avec une valise les portes parce que quand ils étaient placés, ça faisait bouger les portes de notre chambre quoi. Ouais, bon, c'est notre quotidien, c'est dans la maison, on entend aussi les voisins. Ouais, mais c'était chiant. Et du coup, voilà, et je pense à un truc, vous allez peut-être avoir une journée ou deux journées de plus de vlog parce qu'on a beaucoup de choses de prévues en rentrant la journée du vendredi et la journée du samedi. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que vous aurez des vlogs carrément jusqu'au samedi. Donc c'est bien, ça vous fait des petites vidéos en plus. Là, on est tous les deux. Ça, cette journée me rappelle lundi où on est arrivé, boum, on court vers Harry Potter. Ah ouais, là on sprint vers Harry Potter parce qu'il y a déjà énorme. Il est 9h05, il y a déjà du monde sur le chemin. D'ailleurs, ils vont tous vers Harry Potter, ils vont les bâtards. Tous vers Harry Potter et en même temps, ils ont raison. C'est normal, tu reçois de l'eau. Pareil. Ah, donc, ouais, mais je reçois de l'eau, tu m'envoies de l'eau. Mais c'est pas moi. Et du coup, si tu marches dans l'eau et tu marches bizarre, donc tu m'en as envoyé plein. Tu marches bizarre. Et du coup, aujourd'hui, on a jusqu'à midi pour faire Harry Potter, Men in Black, Fast and Furious, Popeye, truc dans l'eau. Ouais, le truc dans l'eau, et je crois que c'est tout. Et je crois que c'est pas mal déjà. Et après, faut qu'on parte à Miami parce qu'on a 3h30 de route. Donc on va essayer de se bouger le fion. Voilà la plage. Voilà la playa. Et manger aussi, j'ai très faim. J'ai pas aimé la première descente, le reste c'était bien. En fait, il y a eu une descente comme ça encore, mais plus petite que Jurassic Park. Donc toi, t'étais tête baissée, donc fais pas la maline. Bah, moi, j'ai regardé, mais j'ai pas aimé la descente. Après, le reste, c'était trop Franchement, bien. On a monté dessus et on était à côté de deux Écossais à côté. Et j'ai dit, est-ce que vous l'avez déjà fait, commencez. Et ils m'ont dit, vous avez déjà fait la momie. Et la momie, c'est un gros roller coaster de malade, j'étais là. Non. Ah non, mais parce que c'est moins fort, j'étais là. Oh mon dieu. Fait, il y a juste une descente et tout, et on fait, ok, d'accord. Et on commence, et le truc, il commence à faire. Mais comme ça. Le truc en fait, on arrive, on descend, on arrive à un truc, le mec il dit ouais faut aller vers le bas et là ton truc il se met comme ça et parce que c'est sur un rail et là tu fais comment ça se fait que je suis en bas et je me suis dit il va y avoir un écran. J'ai regardé, il fait où tu m'as emmené. Et en fait au final ça fait une descente comme as et tu flippes ta race, mais après le reste ça a été. Mais j'ai en fait j'étais tellement dans la pression dans le sens de me dire parce que le mec nous avait dit il y a une grosse descente et je la trouvais petite cette descente là et je me suis dit c'est des ricains, ils ont l'habitude, je me suis dit il doit y en avoir une autre. Du coup, j'étais en stress tout le long du truc alors que c'était trop bien, mais j'étais en stress. Je me suis dit, il va y avoir une descente à la fin, ça va nous picoter la gueule. Et en fait, du coup, il était là. Oh, oh. Et moi, ça a été. Et au final, il y avait que la première descente, donc ça a été quoi. Mais c'est vraiment la première descente que j'ai pas aimé. Que tu as non plus d'ailleurs, personne. Oui, c'est sûr, mais moi, je garde ma tête comme ça là, j'attends que ça passe et je continue quoi. Bon, allez, on va se diriger vers Fast and Furious. Ouais, parce que c'est du coup, on n'a pas été faire Fast and Furious, on a été faire Men in Black, donc c'est plus proche. On y va juste après Fast and Furious. C'est un peu comme Buzz l'éclair Disneyland Paris. Ouais, tu sauf tires que sur tu des tournes comme un malade sur toi-même. C'était trop bien. C'était trop bien. En fait, ils te font tourner une fois, deux fois, t'es là. Ah, et ça va assez vite quand même. Donc tu tires. Je t'ai niqué Jérémy. Hein. Ouais. 35 000 pour lui, 74 000 pour moi. Moi, je crois qu'il faut tirer sur un monstre. Un martien. Et une fois que tu l'as touché, tu passes à un autre. En fait, non, peux continuer de l'arracher, ça fait des points en plus, je trouvais ça illogique, mais bon. Et à un moment donné, on a retourné sur nous-mêmes deux fois, j'étais genre, oh là, putain, dis donc. Moi, je préfère quand ça va et droit, à la fin, vite. Trois fois. Mais quand ça tourne, ça me donne la gerbe. Ah, moi, je et là, tourner. On arrive devant le gros Big Boss, le gros monstre, et là, tu tournes au moins quatre fois sur ta main, t'es genre. C'était trop bien. Il fallait tirer en même temps, moi, j'étais genre. Là, j'ai cru qu'elle allait nous lâcher une galette. Hein. Ah, je te jure, j'ai l'air. Non. À la fin, elle était là, genre, oh, je suis pas bien. Ah ouais, j'étais pas bien. Franchement, je préfère quand ça va vite, droit. Je cache ma tête, je suis contente. Ah, moi, ça allait très bien. Bon, là, on va faire Fast and Furious.
c'est dommage, on peut pas vous filmer les attractions parce que même quand ça bouge un tout petit peu comme Men in Black, ils nous disent de mettre les vêtements et les sacs, enfin tout ce qui est possible de tomber dans des casiers. Donc c'est vrai que tenir l'appareil photo pour raconter les trucs, c'est impossible. Malheureusement, je suis désolé, mais après, on a fait quelques photos avec nos portables. On met sur Facebook tous les jours, vous l'aurez sûrement avec ce vlog là, donc dans deux vlogs. Si vous nous connaissez, vous avez les photos. Si vous ne connaissez pas, tant mieux pour vous. Et puis aussi, c'est un peu chiant parce qu'on a retiré de l'argent pour partir, on a tout dépensé. On a retiré une deuxième fois. Et là, on aimerait retirer une autre fois pour tout ce qui est essence, autoroute, pour aller à Miami. Sauf que ça veut pas en fait. La machine, elle nous dit impossible de vous faire machin. Du coup, sur plusieurs machines. Du coup, j'espère que la banque nous a pas bloqué parce qu'on retire bizarrement. Pourtant, je les ai prévenus que je ferais plusieurs retraits. Donc bon, on va essayer de régler le problème. Ouais. Il nous reste genre 12$. Ouais, ça va pas, ça va pas être possible en fait. Ouais. Toretto il s'accroche à un hélicoptère et il se fait embarquer, c'est chelou quand même. Ouais. Tu t'as pas ça dans les films. Mais c'était super. Mais c'était pas mal. On s'est repris plein d'eau aussi sur nous. Ouais, allez. Attends, c'est pas fini, l'eau on va se reprendre c'est encore pas là. Fini. Et nous voilà arrivés à Hogsmeade. C'était bien. Une petite promenade. Petite promenade. On est trempé. Enfin, on est trempé, non, on avait les parkas. On est trempé en bas. Mais ça va, moi j'avais pris le coup, j'avais mis mes tongs. Marine n'a pas pris le coup, elle a mis des baskets. J'ai mis mes baskets parce que voilà, c'est tout. J'ai pas réfléchi et j'ai vraiment les chaussettes trempées là. Mais c'était super sympa, ça allait rapide et tout. Mais vraiment, si vous faites l'attraction Popeye à Universal Orlando, mettez-vous en maillot de bain. Un parka. Ouais, voilà. Non, au moins ça et des tongs. Au pire, prenez une deuxième paire de chaussures, c'est vous êtes vraiment trempé quoi. Ah ouais. Bon, ça finit notre journée pour Universal. Et départ pour Miami. Au revoir Orlando. Au revoir, Universal Disney. Studio. Au revoir Disney. Au revoir Orlando. Et qui fait bien vos mères sans nous. Adieu, à bientôt j'espère. Hein, non, on viendra. Non, on ira à Los Angeles. Ouais, mais on reviendra un jour. Non, on ira à Los Angeles et après en Chine. On reviendra un jour. On ira à Los Angeles et après en Chine. Jérémy veut pas s'arrêter pour manger. J'ai pas faim. T'avais dit que t'avais faim. Moi j'ai plus faim. Bah moi j'ai faim. Il est 13h. Il y a le temps, ça va. J'ai mangé quoi? J'ai mangé 4 fraises ce matin. Waouh. J'ai mangé quoi moi? Ouais, bah t'avais dit que t'avais faim. Bah j'ai t'as plus menteur, faim. Jérémy. C'est passé. Tu gardes pas tes fraises. On est sur la Florida Turnpike, c'est... Oh putain. Alors je garde pas mes promesses. Je peux le tuer Marie. Je peux le tuer. Ça va pas non. On est sur l'autoroute, on est presque à la moitié du chemin. Et j'ai faim. Toujours? Au moins il fait beau. On a eu qu'une seule averse pendant ce voyage. Il nous reste un jour. Enfin, aujourd'hui on donne à la voiture demain à 13h. Ça veut dire qu'à 13h demain, on sera coincé à l'aéroport. À la quoi? Bref, on va faire un tour de magie. Hop, on va arriver à Miami. Quel tour de magie. Ça y est les amis, on est arrivé. On a un peu galéré parce que je suis un mauvais copilote. Mais on est arrivé à Miami dans notre Airbnb que je vais vous présenter tout de suite. Alors, quand on arrive, la salle de bain qui est occupée. On a la cuisine qui est vraiment sympa.
Bon, c'est vraiment un petit, une petite cuisine, hein. On compte pas cuisiner. Un mur très sympathique d'ailleurs. C'est sympa aussi. Hop, on arrive dans la chambre. Et je pense que les propriétaires sont mexicains ou peut-être, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est vraiment sympa la déco. Tout doux. Il fait très très chaud, on n'a pas la clim. On a ouvert toutes les fenêtres parce que quand on est arrivé, il y avait une petite odeur assez spéciale. Je sais pas si vous avez de la famille un peu portugaise ou des vieux. Il y a une petite odeur quand même, hein, de vieux en fait. Moi ça me rappelle des souvenirs. Donc bon, là j'attends Jérémy, on va vous montrer la piscine. Voilà le petit chemin, donc nous on arrive par là, Jérémy en maillot de bain. Le petit chemin. C'est sympa, c'est cosy et tout, on voit pas beaucoup, on est vraiment séparés du reste du monde. Ta ta ta. La piscine. Avec le hamac, les chaises, les petites fontaines. C'est le paradis. Ils t'ont pas dit le seul hic, oui. Je dirais. Ce serait que en fait c'est un petit studio derrière la maison de quelqu'un. Donc on sait pas s'ils rentrent ce soir ou si on a la piscine pour nous ou si on doit laisser la voiture entrer. Enfin il y a un deuxième garage à côté mais en fait vous voyez, il y a une belle terrasse là. Mais je pense que. Enfin les gens habitent ici quoi mais on sait pas s'ils viennent. Donc bon. C'est des riches. C'est des riches. On s'est trempé dans la piscine, on a pris une petite douche. Je vous cache pas, je suis un peu déçu. Déçu parce que la piscine n'était pas entretenue. Enfin, elle est entretenue, mais c'est dedans, il y avait plein de petites saletés et tout. C'est chiant, t'arrives, tu veux te baigner. Au final, il y a plein de branches, de machins au fond de l'eau. Ils n'ont pas entretenu leur piscine aujourd'hui, donc c'est un peu chiant quand t'arrives. Et même à la surface, il y a plein de petits trucs qui flottaient, donc c'est un peu dégueulasse. Après, ça va pas empêcher d'aller dans l'eau, mais c'est un peu dégueulasse. Donc là, comment dire? La mission ce soir, c'est d'aller en ville, d'aller se promener, vérifier, connaître les choses, etc. On va aller kiffer, on va essayer de trouver quelques magasins. Et puis demain, la mission, ce sera d'aller au bord de l'eau. Voilà. Donc, et ben, on se retrouve dans la ville. Tout à l'heure, Marine, elle a fait une... qu'on appelle ça un effet main. On va faire un effet coude. Bon, on a Mimi. La téléportation serait bien passée, ça va? On est arrivé à Miami, on ne sait absolument pas ce qu'on fout là. Miami Beach, Miami Beach. On a trouvé un parking gratuit, c'est un Walgreens. Et du coup on marche. On sait pas du tout où on est. On sait pas du tout où on est, on marche. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à faire. Boire un coup, je sais pas. Enfin, on n'est pas vraiment dans la zone, on est plutôt dans la zone avec les bureaux quoi. C'est pas une zone de shopping. Le problème c'est que moi j'ai vu un parking gratuit, je me suis dit fonce, c'est maintenant. Avis. Donc on va se promener puis on va voir ce qu'il y a. Bon, notre petite escapade n'a pas porté ses fruits. On a retraversé le pont à Miami et là on va aller en hôtel apparemment qui a une belle vue sur toute la ville, donc on va essayer de tester ça. Je vous avoue qu'on n'a pas, on a pas trop bien organisé notre voyage à Miami là vu que c'était qu'un seul jour, donc bon, on va voir ce que ça donne. Et il y a un truc de ouf aux États-Unis. Les gens, ils klaxonnent tout le temps pour un oui ou pour un non. T'es au feu, ils passent à peine au vert, mais vraiment à peine au vert. Hein. Si t'accélères pas au moment où ils passent au vert, genre vraiment faut que tu saches dans ta tête qu'ils passent au vert, les gens derrière toi ils klaxonnent. C'est pire que l'Espagne. C'est pire que l'Espagne, que Paris. Paris, pour moi en fait, à côté Paris, ils sont mignons. Il y en a beaucoup qui passent au rouge et tout. Et ouais, ils passent au rouge, machin, ça klaxonne, ça bloque, ils bloquent les intersections et tout. Enfin, c'est vraiment la merde, c'est vraiment de la merde cette conduite. Allez, casse-couille. Des belles voitures partout, quoi. Il y a des belles voitures partout, mais ils savent pas conduire. Ouais, voilà. Et bah de retour à l'hôtel, parce qu'au final, du coup, j'ai pas été accepté. Marine était acceptée, moi j'étais pas accepté parce que j'étais en short. Et comme c'est un truc de riche, ils acceptent pas les gens en short. Donc je vais me faire bien enculer profond. Enfin bref, c'est pas grave. Et du coup, on en a eu marre de faire 4 allers-retours inutiles dans toute la ville. Donc on a dit, bah vas-y, on rentre à l'hôtel, on va regarder, enfin au B&B. On va regarder des séries dans le lit posé et puis on va se coucher tranquillement. Je pense qu'il est quasi 9h de toute façon. Donc voilà, on va voir si demain on a le temps de faire quelques petits trucs. J'espère qu'on va avoir le temps. Déjà on va prendre un petit déj. Un I hope ou je ne sais quoi. Ou un waffle, ce serait bien de tester un waffle. Ouais. Ouais. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite une bonne soirée. On vous fait de gros bisous.
portez-vous bien et bonne nuit.